Le Grand Handicap de Deauville, c'est la troisième course, support du tiercé écarté, quintet plus, avec un bon départ au centre du numéro 8, Scalito, Med Story qui est bien parti, tout comme le numéro 16, Larno, le cheval gris monté par le crack jockey japonais Yuta Katake qui est aux commandes. Larno qui est en tête avec Scalito qui est deuxième, Rominou qui est tout près en troisième position avec à son extérieur le numéro 6, Valek, Med Story. Venant ensuite, la favorite de l'épreuve, c'est le numéro 12, Cayenne, qui est pour le moment en position d'attente, en 7-8e position avec le numéro 9, Diwen Senora Kazakh Vert qui vient à son extérieur. Nous avons ensuite Body Sculpt qui vient à l'intérieur des autres en compagnie du numéro 13, Gourel, avec à l'arrière-garde Contorsionniste qui patiente en compagnie du numéro 1, Nice to See You. Le numéro 16, Larno, qui a l'avantage, avec en deuxième position le numéro 8, Scaletto. Nous avons Valek qui est troisième devant Diwan Senora, Romino qui est 4-5e tout près, précédent Med Story, Miracle des Aigles, Cayenne qui vient ensuite dans cet ordre, Body Sculpt qui est à flanc de peloton, côté corde à l'intérieur en compagnie de Gourel. Gourel qui est suivi d'ailleurs par le numéro 5, Jasmin, le numéro 4, Maximum Aurelius, venant ensuite, précédent Miracle des Aigles, avec Contorsionniste, Nice to See You, qui sont à l'arrière-garde en compagnie du numéro 15, Il Pittore, le sprint qui est lancé avec le numéro 8, Scaletto, Calmeyer, Larno qui se défend bien son extérieur, Diwan Senora qui passe maintenant à l'offensive, et puis Cayenne qui surgit maintenant au centre de la piste, qui place son accélération en compagnie de Magari, qui vient côté corde avec Cayenne qui a l'avantage, Romino qui se défend bien, et puis Scaletto de l'autre côté de la piste qui est là en compagnie de Magari, qui termine de plus en plus fort avec Cayenne qui a l'avantage devant Romino, Cayenne, Romino sans doute dans cet ordre, Scaletto qui est troisième.